Alors on est ici à l'extrémité sud du golfe et il ne nous reste plus qu'à reprendre le chemin du retour tranquillement. Et dans ce sens-là, on aperçoit de l'autre côté le sommet de la Paglia Orba, qui est le quatrième plus haut sommet de Corse, de 1525 mètres d'altitude. D'ailleurs, le Monte d'Or, le Monte Rotondo, bien entendu le Monte Cinto, qui est le point culminant de la Corse, savoir que la Corse, qui fait 180 km de long sur 83 de large, compte quand même 117 sommets au-dessus de 2000 mètres. Ce qui lui a valu l'un de ses nombreux surnoms, comme la montagne dans la mer. Voilà, donc on va prendre le chemin du retour, hein, tranquillement, avec une distance un peu plus éloignée de la côte, de façon à ce que vous ayez aussi la vue d'ensemble, hein, de façon plus claire d'aller, un peu plus loin au retour. Alors, attention, vous avez vu, il y a un peu de vent là qui vient de ce côté-là, donc ça va se bouiller un peu. Hein.